Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV de partout où vous nous suivez. Nous vous disons merci pour votre fidélité qui nous honore au quotidien et bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 30 janvier 2024. L'année prend sa fin. Monsieur Georges, notre invité sur Congo Live. Monsieur Georges, bonjour. Oui, bonjour David et bonjour tout le monde. Bonjour tous les Congolais. Bonjour les Congolais de l'intérieur comme de l'extérieur. Bonjour les Gomatraciens qui vont nous suivre. Bonjour tous les Nord-Kivuciens. Et surtout, bonjour Monsieur le Président de la République, si vous aurez l'occasion aussi de me suivre. Avant de vouloir commencer, Monsieur Georges, dis-nous comment vous allez. Pour aujourd'hui, comment vous allez? En fait, moi personnellement, je vais bien. Je vais très 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 bien. La santé va bien. Et la sécurité à Goma va très bien. Et la sécurité dans la province va très bien, sauf à Massis. Là où il y a des affrontements pour le moment. Mais sinon, sur le plan sécurité et autres, la ville est calme. Après un jour, après que les motards ont décrété leur manifestation, comment c'est fini, comment ça a continué? Bon, tout d'abord, le droit de manifester est constitutionnel. Les motards, s'ils peuvent manifester, s'ils peuvent décréter une journée ville morte, c'est de leur droit le plus légitime. Mais cependant, une chose, est-ce que parce qu'on a décrété une journée ville morte, on va trouver une guerre de causes? Ou soit, parce qu'on a grévé, est-ce que la sécurité ne va plus être vécue sur la ville de Goma? Ce sont là les questions auxquelles il faut trouver des réponses les plus techniques. Les motards ont décrété une journée ville morte, semble-t-il que la journée a réussi. Bien sûr, mais est-ce que déjà, nous allons dire que la sécurité va directement revenir ou celui qui a pris la mesure de stopper la circulation après 18 heures aura déjà peut-être une solution à ce problème? Je ne crois pas. Moi, je conseillerais peut-être au motard de trouver un terrain d'attente entre l'autorité provinciale et les motards. Tous sont des Congolais. Ils ont tout intérêt de collaborer et surtout de s'attendre sur le plan sécurité. Parce que la sécurité, c'est une marchandise de tout le monde. Tout le monde consomme la sécurité. Et les autorités, et les motards, et nos populations, tous nous devons concourir à la sécurité. Et c'est pourquoi, au lieu de se tirailler, au lieu de se jeter des épaules inutilement, je demanderai aux motards et au gouverneur de trouver un terrain d'attente. Surtout au gouverneur, mais de faire appel aux motards. Messieurs les motards, venez qu'on puisse faire, ne fût-ce qu'un petit débat. Si pas un débat où les motards allaient vers le gouverneur, bon, gouverneur, nous demandons une audience. Une audience et nous voulons parler de ce problème de l'insécurité. Problème de la non-circulation après 18h. C'est aussi un problème parce que ne pas aussi circuler à 18h, c'est aussi un problème dans les foyers, non? On va commencer. Depuis le matin du 30 janvier 2024, des Sukhoi ont survolé sur la ville de Goma, on peut le dire, sur la surface de la ville de Goma. C'était pour quelle direction, quelle détermination? En fait, quelle détermination? C'est la guerre. Nous sommes dans une zone où il y a la guerre. Là, c'est automatique. Voir les engins militaires survoler ou peut-être faire des navettes, ça, ce n'est qu'une expression de guerre. Autre chose, les Sukhoi, ils se sont dirigés vers Massisi. On vient de l'apprendre que c'est vers Karuba, c'est vers Mushaki, c'est vers Kilolirwe. C'est là qu'il y a des affrontements. Les affrontements, pas n'importe quel affrontement, attention. Il y en a qui suivent les événements du Nord Kivu, de l'Ouest. Ils croient que c'est une petite guerre entre deux fractions, entre deux peut-être groupes rebelles. Mais c'est une guerre, je dirais, une guerre entre les nations. Une guerre de puissance. C'est une guerre la plus sérieuse. Et quand vous êtes dans cette zone-là, vous allez comprendre que réellement le pays est à vol, le pays est à difficulté la plus élevée. Si d'ailleurs nous Congolais,
Nous n'élevons pas aussi le sens de patriotisme. Nous allons risquer de payer très mal les conséquences de cette guerre. La guerre est sérieuse. Surtout vous qui nous suivez de dans le monde diaspora. Essayez de faire un lobbying. Mais sinon la guerre n'est pas moindre ici en Nord-Kivu. Les politiciens, vous bousculez pour des postes. La guerre est ici. Les Sokoï ont monté aujourd'hui. Les Sokoï ont survolé l'espace. Mais on vient d'apprendre que les Sokoï ont donné la mort à plusieurs éléments rwandais. C'est grave, c'est triste parce que chaque fois que les Sokoï montent, c'est la mort et la désolation. Chaque fois que les drones font leur travail, c'est la mort et la désolation. Hier, c'était grave. Hier, c'était grave vers Mouchak, vers Kabat, c'était aussi grave. Mais il faut voir quel genre d'homme meurt sur les lignes de front. Le Rwanda a un problème. Et surtout, les dirigeants rwandais ont des problèmes les plus sérieux. Comment? Quel problème? C'est-à-dire quoi? Quand vous arrivez sur les lignes de front, avec nos bombardements, avec tout notre arsenal militaire, mais la perte à vie humaine, elle est réellement considérable jusqu'au point que celui qui envoie ses enfants sur les lignes de front, il est moins intelligent. Il n'a pas pitié à ces gens-là. Vraiment, le Rwanda, moi je suis en train de m'inquiéter à plus grande, peut-être les dimensions. Pourquoi même cette communauté internationale qui connaît réellement les profondeurs de cette situation ici, au Nord Kivu, ici en RDC, n'a même pas ce souci-là de vouloir même ramener Kagame vers le sens humain. Je vais rappeler, M. Georges, que même la rébellion a commencé à accuser la communauté internationale de son silence. On va lire ensemble. Combat M23 RDF, Wazalendo, Bar, FRDC. Les affrontements ont repris ce matin sur l'axe Mouchaki, Karouba, en territoire de Masisi, dans la province du Nord Kivu. Des rides combats opposent depuis tôt le matin M23 RDF et les FRDC sur différents fronts. L'armée met en action ses flottes aériennes. Les rebelles appellent la communauté humanitaire à réagir. Nous demandons à la communauté humanitaire à rompre son silence, même si la communauté internationale reste silencieuse sur les massacres des civils à Mouesso. Mouchaki, Karouba et leurs environs a déclaré mardi les porte-parole de la rébellion. Oui, Kanyuka l'a dit, moi je l'ai dit. En fait, voilà maintenant, il commence maintenant à faire appel à la communauté internationale. Pardon, monsieur Georges, donc d'après eux, ils comprennent jusqu'à présent que c'est les FRDC qui ont tué les civils à Mouchaki. Et à Mouesso, je rappelle. Faux, Yarchifaux. C'est maintenant aujourd'hui qu'ils le disent, alors que le gouvernement avait déjà annoncé cela, dénoncé cela, il y a de cela peut-être 3 jours. Pourquoi maintenant le retour c'est aujourd'hui? Parce qu'il y a déjà ce qu'on appelle une riposte. Ils ne doivent pas chaque fois venir tuer nos populations, sans qu'ils n'allaient pas aussi nous défendre. Voilà maintenant comment que ils sentent maintenant que le problème est sur leur corps. En fait, moi j'interpelle et je réitère. Surtout les États-Unis, le pouvoir aux États-Unis aujourd'hui, le pouvoir des Anglo-Saxons, Angleterre aujourd'hui, même la France. Vous faites un sourd d'oreille, vous faites un silence, vous faites une hypocrisie notoire, alors que le problème est là. Je le répète, je l'ai dit, vous allez risquer de gérer cette situation après une calamité. Ah. Ça, je l'ai dit. Ces puissances qui mènent, imaginez vous amener les Africains venir mourir au Congo par d'autres Africains. Ça n'a pas de sens. Surtout Kagame de ta tête, vous autorité rwandaise, de vos têtes, est-ce que vous voyez que vous pouvez aussi demander cette même demande aux États-Unis ou en France? Vous dites aux Français ou aux Anglais ou aux Américains,
d'aller sacrifier leur jeunesse pour votre compte, vous Kagame, ils vont accepter. Ça ne passe pas, ça ne peut pas passer. Mais Kagame lui accepte de n'importe quoi. T'as sacrifié sa jeunesse et ses frères congolais pour des intérêts non inconnus. Donc, des intérêts inconnus, des intérêts non inavoués, des intérêts dont on ne connaît même pas les tenants et les aboutissants. Et c'est comme si pour lui c'est un privilège quand les gens meurent, quand les Rwandais meurent, les Congolais meurent, pour Kagame c'est un privilège, c'est quelque chose, c'est un prestige. Non, Kagame, tu dois revenir à la raison. Je sais très bien que nombreux des Rwandais me suivent. Je sais bien. Mais vous, Rwandais aussi, naïveté plus plus. Est-ce que Kagame vous a acheté pour une propriété privée? Est-ce que le Rwanda, c'est une boutique pour Kagame? Essayez aussi de vous mouvoir pour quand même vous libérer. Casser, peut-être briser quand même les cracas sur vos mains. Ce n'est pas facile, ce n'est pas compréhensible que vous continuez toujours à accepter la mort pour des raisons que vous ignorez et pour des personnes que vous ne connaissez même pas. C'est triste. Même, je me rappelle bien, si on fait des petits pas en arrière, le gouvernement congolais à plusieurs reprises a fait l'appel à la communauté internationale d'en être témoin. Et en fait, la rébellion aussi fait appel à la communauté internationale. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de là? Ah, c'est-à-dire que la guerre n'est pas même rwandaise. Elle n'est pas rwandaise. C'est une guerre rwandaise sous procuration. Et moi j'ai dit, vous rebelles, on vous envoie aux lignes de front. Vous avez aussi le plein droit aussi de refuser les lignes de front. Soyons sérieux, monsieur David. Quand Makenga, quand Loras Kanyuka et le Willy Ngoma viennent en RDC, est-ce que ce sont des qui réellement qui prendront le butin de guerre? Ce ne sont pas eux. Ils sont des marionnettes qui viennent seulement donner leur vie inutilement ici au Congo. Et la communauté nationale déjà, moi je dirais peut-être qu'elle a déjà tranché, mais c'est seulement les Rwandais, c'est cela qui les envoie, qui ne veulent pas comprendre. Nous avons été à Luanda, à Nairobi, c'était avec la communauté internationale. Nous avons donné une formule qui n'a jamais été respectée par les rebelles. Ils ne doivent que mourir. Mais c'est puissance-là qui ne veulent pas comprendre la profondeur de la situation. Ils risqueront de comprendre après un retard. J'ai toujours donné cet exemple, je le répète encore. Avec les phénomènes, les Ignés et les Igotani de 1994, ces grandes puissances avaient encore pris la situation à la légère. Non, vous voyez, mais un peu après, ils se sont retrouvés devant un problème crucial. En deux jours, on a tué 800 000 Tutsis. L'année prochaine, en 2005-2006, en 1995-1996, on a compté plus de 5 millions de Hutus mourir. À cause de quoi? À cause de cette légèreté. Et cette légèreté va aussi nous amener à des grandes histoires que nous risquerons de ne pas comprendre dans cette région. Ce n'est pas pour rien que le Burundi a fermé ses frontières. Ce n'est pas pour rien que l'autre, la maman de la Tanzanie, Samia Suluhu, ce n'est pas pour rien qu'elle est en train de menacer, évacuer tous les réfugiés dans ce pays. C'est-à-dire qu'il y a un problème déjà dans la région. Elle a justifié, disons que pour des mesures sécuritaires, elle a été précise. Uh-huh. Pour des mesures sécuritaires, et puis elle a donné l'exemple de ce qui se passe au Congo et au Burundi. Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est les Congolais qui font problème? Est-ce que c'est les Rwandais? Est-ce que la c'est situation est similaire. Il y a une similitude dans tout ça. On sait très bien qu'au Congo, c'est un problème sécuritaire. Au Burundi, le même problème sécuritaire. Tanzanie, problème sécuritaire. C'est-à-dire, la situation est presque semblable. Et le seul élément utilisé par les puissances renégats, c'est le Rwanda.
Maintenant, il faut voir la jeunesse rwandaise, comment elle est en train d'être saccagée. Des informations qui sont venues du Rwanda, comme quoi il y a des officiers qui sont en train d'être enterrés, ils perdent leur vie. Où. Mais c'est sur le sol congolais. Tantôt, je l'ai toujours dit, au Rwanda, c'est le cimetière et la mort. En RDC, c'est les lignes de front. C'est-à-dire, les gens meurent sur les lignes de front en RDC. Ils sont enterrés où? Au Rwanda, conservé dans les morgues du Rwanda. Il n'y a même pas une semaine, vous avez appris le M23 plairait ces deux grands officiers à Kichanga qui ont été bombardés par les drones. D'autres à Nyongera, à Rutshuru. Et leurs corps, vous voyez que leurs corps ont été enterrés au Congo? Leurs corps ont été ramenés au Rwanda. Maintenant, une chose, monsieur Georges, il y a une question là-bas. FRDC ou Azalendo? M23. Pourquoi seulement c'est M23 qui perd ses hommes? Est-ce qu'il n'y a pas les hommes de FRDC ou Azalendo qui sont abattus sur la ligne de front? Bien, les Congos, vous ne voulez pas parler de ça. La mort est collatérale. La mort, elle est de tous les deux côtés à la fois. Quelle partie qui cause beaucoup de... le bilan n'est pas identique. Le bilan du côté Rwanda est très, très, extrêmement lourd par rapport au bilan du côté congolais. Mais c'est vrai, là où il y a la guerre, il y a la mort. La mort peut être des deux côtés. Mais là où on compte plus d'hommes, c'est du côté Rwanda. C'est pourquoi moi j'ai dit, même vous pouvez venir le soulever. Bertrand si pas qui dit la communauté internationale fait un silence alors que nous sommes en train de mourir sur les lignes de front, même la population. Est-ce que, bon, quand il crie comme ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne marche plus. Il y a un problème. Et le problème est plus senti au Rwanda qu'en RDC. Nous, chez nous, ce qui nous fait peut-être, ce qui me dérange moi dans la profondeur de mon cœur, ce sont les déplacés, les mamans qui sont dans les camps des déplacés. Les déplacés des gueules. C'est grave. Monsieur Georges, avant de parler de déplacés des guerres, on va y revenir. Parlons de ces bombes-là qui est tombée sur la cité de Sake encore hier. Il y a une première bombe qui est tombée le samedi, qu'on ne connaît pas l'origine. Jusqu'à présent, il y a l'autre bombe qui est descendue sur la cité de Sake cette hier. Qu'est-ce qu'on peut comprendre à cette affaire? Il y a deux bombes qui n'ont même pas... C'est toujours les FARDC? Les bombes viennent de l'ennemi. L'ennemi croit aussi peut-être se venger d'une autre manière. Malheureusement, il ne peut même pas atteindre la cible. C'est difficile. Même vers Mbambé, nous avons appris qu'il y a eu des bombes larguées venues du côté du parc par les M23 et venues s'exploser vers Mbambé. Nous l'avons appris. C'est vrai. Mais l'ennemi est à perte de vitesse. Il croit que si peut-être je faisais encore comme ça, peut-être que ce serait une bousculade. J'aurais peut-être une piste là où je peux encore trouver une porte de sortie. Malheureusement pour lui, non, ça n'arrivera jamais. Donc l'ennemi a une seule option, se retirer et aller se cantonner. Si pas se cantonner, retourner au Rwanda, pourquoi pas? Malgré les discours des Congolais, vous ne le voyez pas que le M23 avance réellement. En fait, quand vous dites que le M23 avance réellement, moi je peux dire, bon, c'est la guerre. Mais en réalité... Moi, c'est sous occupation de M23. Là, les FARDC ne parlent plus. Mais en réalité, ce n'est pas un avancement dans son vrai sens. Si réellement les M23 avançaient, pourquoi ne pas atteindre Goma? C'est-à-dire, il avance seulement là où il y a peut-être... Moi, je l'ai toujours constaté. Le M23 a tout cherché à avancer là où il y a une partie rwandophone, là où on va parler les Kinyarwandais, ils profitent de cette manière-là. Mais en réalité, qu'il arrive à Goma, nous allons l'estimer. Qu'il aille à Lubero, nous allons l'estimer. Est-ce qu'il a cette capacité d'aller à Lubero, même à Kibirizi? D'après certaines sources sur les liens, les sentences que ces derniers, l'objectif du M23, c'est à
arriver d'Abukavu avant Goma. Le pensez-vous qu'ils seront capables de le faire? Parce qu'ils ont commencé à tracer déjà pour Bukavu. C'est tout à fait impossible. N'est-ce pas que Tchagougou... C'est tout à fait normal qu'ils atteignent Bukavu. C'est tout Bukavu. À fait impossible. N'est-ce pas que Tchagougou est à côté de Bukavu? Je vois Ruzizi premier, Ruzizi 2. Est-ce que vraiment le Rwanda a cette capacité de traverser Ruzizi? Non, soyons sérieux. Si là, toujours la chance de traverser peut-être dans Rutshuru, c'est parce que quand j'ai fait le relief de Rutshuru, la géographie de Rutshuru, vous remarquerez qu'il y a des montagnes qui nous séparent avec le Rwanda. Certaines de ces montagnes sont à plein parc. Comme par exemple, quand vous prenez Karusimbi, Mikeno, Sabinho, vous allez vers Runyonyi, toutes ces montagnes qui forment la frontière naturelle entre nous, les Rwanda, sont des montagnes qui sont utilisées par les Rwanda. Soit ils passent par les vallées, soit ils prennent les sommets et puis se déversent au Congo. Arrivés au Congo, ils trouvent un peuple qui parle presque la même langue, similaire à celle et du Rwanda. Et suite à ça qu'ils arrivent à gagner. Un message pour le président de la République, Fatih, que vous aimez bien, j'estime, mais également pour le FRDC. Pour premier, Fatih. Deuxièmement, FRDC. Un grand message au président de la République, Fatih Beto. Moi, Georges, donne un petit message, un conseil. Ne vous laissez pas embourber par les politiciens qui courent derrière les postes alors que la République brûle. Ça, c'est un message. C'est un message très important. C'est un message pour Fatih, un message pour le FRDC alors. Je n'ai pas encore fini. Laisse-moi quand même l'état, David. Fatih, laissez ces politiciens qui viennent seulement vous embrouiller pour chercher des postes. Occupez-vous sérieusement de la guerre à l'Est. Dites à ces politiciens d'abord de tourner leurs yeux à l'Est afin que d'abord la solution de l'Est soit trouvée et les postes après. Parce que les postes, on en aura toujours. Un message pour les FRDC alors. Oui. FRDC, ma pinga ya école. Nous vous remercions tant. Je suis d'abord très content de ce survol des avions aujourd'hui matin. Vous avez fait votre part de responsabilité. Vous êtes en train de donner la mort aux renégats. Et d'ailleurs, on venait d'apprendre qu'ils sont en train déjà de crier. Allez, essayez d'accélérer la vitesse. Donnez plus de morts. Ils vont fuir. Ils vont finir. Allez encore se réfugier sur le Rwanda. Votre numéro, Monsieur Georges, pour finir cette émission. Votre numéro. En fait, David. Laisse-moi que je dise quand même. Mais Monsieur Georges. Aux autorités provinciales. Monsieur Georges. Autorités provinciales. Monsieur Georges, votre numéro, Monsieur Georges. Votre numéro, s'il vous plaît, votre numéro, Monsieur Georges. Ok. À la prochaine. Votre Nous numéro. Sommes en contact au plus 243-9-79-27-31-68. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission sur Congo Live TV que vous suivez de partout au monde. Nous disons merci pour votre fidélité, mais également merci d'avoir commencé avec nous du début à la fin. Je vous rappelle bien, nous sommes en direct de la ville de Goma, Monsieur Georges, qui était notre invité. Monsieur Georges, merci et merci beaucoup encore. À la prochaine pour un nouveau numéro. Merci, Monsieur David.